Et salut à tous, ravi de vous retrouver pour une épreuve un peu spéciale dans une semaine un peu différente des autres au Castellet sur le circuit Paul Ricard, donc sur un circuit qui n'est jamais apparu sur la chaîne et qui fait partie de la bibliothèque de Race Room, bien entendu payant, hein, puisque ce circuit vaut dans les 4,99€, et ensuite il fait bien entendu partie du pack WTCC sur un circuit méconnu pour ma part. Donc que j'ai décidé de faire avec les GP2 qui n'en sont pas, hein, vous le savez, hein, le GP2 sur Race Room n'est autre que le Formule Racing Race Room, les Formule Race Room, et donc n'a pas l'appellation GP2, mais c'est tout comme, avec peut-être une GP2, on pourrait dire une GP2 des années fin des années 2000, à l'époque où Hamilton et Rosberg étaient dessus, donc une GP2 vraiment de base, hein, avec tous les mêmes châssis, c'est juste la livrée qui change, et un moteur qui fait un très très bon bruit. Et on va le voir, donc un circuit du Castellet vraiment sous haute sécurité, hein, on pourrait dire ça comme ça, avec vous le voyez des immenses dégagements. Ce circuit est appelé Height Test Track Technology parce qu'il est tout simplement possible de faire des pistes allant de 0,800 mètres à peu près jusqu'à 5,8 km. Donc énormément de variété avec presque 167 combinaisons différentes, c'est absolument énorme. Et cette immense ligne droite donc de 1,8 km qui n'en finit plus, et c'est vrai qu'avec ces petits GP2 qui n'ont pas des vitesses de pointe phénoménales, elle paraît vraiment très très longue cette ligne droite, alors que je suis en avance, hein, sur les chronos du premier, donc pour avoir la pole position, et sur un circuit donc quand même assez vieux, hein, qui date des années 60, construit entre Marseille et Toulon dans le Var, donc construit sous l'impulsion de l'ancien maire, hein, Paul Ricard, et si de le maire pas de Castellet mais du Castellet mais de la commune voisine, hein, je ne me rappelle plus très bien son nom, Signes, et donc il avait décidé de construire un aérodrome et puis ensuite de construire un circuit avec des grands noms du sport auto à l'époque, qui étaient Pescarolo et Jean-Pierre Beltoise. Et puis ils ont décidé de créer ce circuit et d'accueillir le plus rapidement possible la Formule 1 au début des années 70. Et on retiendra que ce sera donc Jackie Stewart qui sera donc le premier pilote à inscrire son nom au palmarès du Grand Prix de France. Donc un Grand Prix qui restera au calendrier jusqu'en 1990. Et la victoire d'Alain Prost qui restera donc le pilote avec le plus gros palmarès ici, puisqu'il aura donc gagné 4 fois à la fin des années 90. Après, le circuit est tout simplement remplacé, vous le savez, sous l'impulsion de François Mitterrand, par un circuit dans la Nièvre, à Nevers, qu'on appelle donc Magny-Cours, donc qui a pris donc le relais à ce tracé du Castellet, donc qui aujourd'hui, ça fait presque maintenant 20 ans que la F1 ne vient plus et ne vient même plus faire les tests, alors que c'est pourtant un certain Bernie Ecclestone, hein, qui avait décidé de retransformer la piste pour faire les essais privés de F1 en 99, avec un certain Philippe Burjan qui est aujourd'hui PDG de la piste d'Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Et du coup, c'est un circuit qui accueille finalement comment ça s'appelle, les essais du Le Mans série, hein, avec les protos, hein, encore une fois cette année en 2016 avant les 12 heures de Silverstone. Alors vous l'avez vu, un départ assez compliqué, hein, pour ma part. J'ai réalisé la pole position avec un tour assez propre. Ces GP2, vous le savez, je vous l'ai dit, hein, ce sont des petites voitures assez sympas à piloter. Race Room est un jeu absolument exceptionnel. C'est avec Dirt mon jeu, ma simulation auto préférée. Un pour le rallye, l'autre pour le circuit, et avec le style series accroché au G27, c'est un pur plaisir. Les LED vous flashent au visage quand vous êtes dans les tours, c'est absolument phénoménal. Vous avez un panel de boutons à régler, hein, un peu l'image de projet de carte sur le volant, vous pouvez absolument tout mettre, et notamment l'allumage du moteur, et je trouve ça absolument excellent. En plus, sur le SteelSeries, vous avez un petit bouton Start qui permettra d'allumer le fabuleux V8 de ces GP2. Et donc, vous la voyez, cette immense ligne droite, et donc, pour en revenir au départ,
un départ très compliqué, hein, vous le savez, puisque, à proprement parler, Race Room ne bloque pas la voiture, ce qui fait que rien ne vous empêche d'enclencher la première et puis de partir. Vous serez alors assez décrédité d'un faux départ. Donc c'est avec tout le mal du monde que j'ai eu à m'élancer, parce qu'en plus de ça, il faut passer la première et la seconde très gentiment, sinon la voiture part en tête à queue avec la puissance roue arrière. Et puis c'est un léger, c'est très subtil comme conduite, mais on prend énormément de plaisir. Un plaisir qu'on retrouve hélas pas ou peu dans F1 2015. Et c'est vrai qu'avec Angel, sur cette coop, on redécouvre un jeu hein, finalement qui est plus plaisant en multijoueur et à plusieurs. Et notamment, c'est vrai qu'entre amis ou entre familles, eh bien c'est vraiment très 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 sympa cette F1 2015. Vous l'avez vu, un multijoueur vraiment avec une plateforme vraiment idéale, vraiment différente de ce que Codemaster nous propose en solo. Pour en revenir à Race Room, donc on va faire le tour ensemble donc de ce circuit du Castellet dans sa version qui n'est pas la plus longue, hein, puisque la version la plus longue est tout simplement la version avec la grande ligne droite du Mistral coupée en son centre par une chicane tout simplement, ce qui permet de casser cette très longue vitesse. Donc là on arrive dans la chicane, dans Sainte-Baume, ici. Donc Sainte-Baume, hein, qui est la barrière de montagne à l'arrière-plan qu'on ne voit pas ici. Ensuite, on va attaquer cette deuxième chicane qui s'appelle l'école, avant d'attaquer, bien entendu, l'immense ligne droite du Mistral. Alors, on le voit avec beaucoup de bosses et les petites GP2 qui font pas mal de bons. Vous le voyez ici, le grand dégagement qui fait penser étrangement à celui d'une Audière sur le circuit des 24 heures du Mans. Et cette ligne droite donc qui en finit plus. C'est une ligne droite pour une Bugatti Veyron. Et on va attaquer Cygne, qui est un immense virage qu'on prend à fond ici, avant d'attaquer un escargot aussi qui n'en finit plus en quatrième, qu'on appellera Bossé, et qui est donc le virage 6 pour notre tracé. Le virage 7, Bendor, lui aussi un virage qui n'en finit plus en troisième. Et un dernier secteur assez compliqué finalement à gérer. Le village, quatrième, cinquième. On rétrograde en 3 pour attaquer Tours. Et enfin, le dixième et dernier virage, le virage du pont, virage le plus serré du tracé, en seconde pour réattaquer sur la pit lane des stands que vous voyez donc à droite et la Sainte-Baume que vous voyez donc au fond. Donc un très très beau circuit, ce circuit du Castellet. Certains regretteront, j'ai pensé à Jacques Villeneuve, hein, quand j'ai commencé à conduire ici, c'est la première fois que je conduisais sur le Castellet dans une simulation auto. Eh bien, Jacques Villeneuve, qui déteste les dégagements non gravillonnés, eh bien, ça doit être pas un circuit qui l'approuve énormément. Parce que là, il est vrai qu'il y a énormément de dégagements et que finalement, les sorties de piste ne donnent vraiment pas trop de perte de temps. Si ce n'est peut-être quelques pénalités, je pense, pour les quatre roues hors de la piste. Mais sinon, c'est vraiment un circuit qui est énormément sécuritaire. Vous voyez, il y a énormément de dégagements. Et quand on le voit vu du ciel, il est tout bleu avec tous ces dégagements bleus et rouges. Et donc, vous l'avez vu avec juste après la pit lane des stands, un endroit qui me fait penser, en plus, c'est un circuit qui est relativement très peu vallonné. Le virage donc numéro 1 qu'on appelle donc Verrières, hein, sur cette première portion qui fait étrangement penser à Chapelle, à Beckett et Chapelle à Silverstone. Donc assez agréable hein, finalement à piloter ce tracé avec une fois qu'on l'a bien mémorisé, il est assez agréable et après au fur et à mesure des tours il est assez intéressant d'amener ces voitures et de les pousser dans leur dernier retranchement, tout en gérant toujours l'accélérateur comme il se doit. Il n'y a pas d'ABS également, c'est vraiment de base hein, sur Race Room Racing. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est une vraie simulation automobile. Donc, je vais vous laisser terminer cette course sans moi. Moi, je vais vous quitter. Je vais vous dire donc à la semaine prochaine, on va se retrouver donc avec la Williams. Hein. Pour l'instant, pas de retour des fins 2015, ni de DTM. Hein. On fait une petite pause, hein. On change un peu
le contenu pour pas que ça soit trop bourratif à chaque fois. Et on casse un peu les épisodes avec Angel. Donc tout ça, c'est voulu. Et vous retrouverez bien entendu le Grand Prix à Suzuka sur la fin 2015 très prochainement, ainsi que le DTM à Zolder aux Pays-Bas. Et puis donc, moi, je vous dis à très vite pour la coop. En attendant, portez-vous bien. Allez, salut à tous.
Merci.